Et salut les amis. Aujourd'hui je vais aller vendre mon camion que j'ai viens de finir de, enfin, que j'avais fini l'autre fois de récupérer du soja. Donc j'en ai un bon camion. J'en ai un bon camion, le voilà. Le soja, hein. Le camion est presque plein, il a 82%. Donc on va aller vendre ça. Et on ira commencer à acheter du matériel. On ira acheter le matériel qu'il faut. Alors je sais pas si je vais acheter un tracteur, une moissonneuse ou le champ 49. Ça dépend des sous que je vais rapporter. Le mieux pour l'instant, ce serait d'acheter une autre moissonneuse, mais... Parce que la moissonneuse, elle arrive pas à vider là-dedans, vu que c'est trop haut. Donc je me suis acheté ça. Une petite benne qui fait... qui se lève. Vous voyez, on peut vider dedans et vider dans le camion. Voilà, c'est ce que j'ai acheté, moi. Comme ça. Je pourrais vider dedans, mais vu que je vais peut-être acheter une autre moissonneuse, peut-être ça j'en aurais peut-être plus besoin. Bref, voilà. Alors il fait toujours si chaud aujourd'hui, hein. Là il fait 30, il est 8 h du matin, il fait déjà 30 degrés. Ça va chauffer encore aujourd'hui. Alors, on va peut-être baisser un petit peu l'eau. Ventilateur. Voilà. Ouais, c'est la bonne route. Hop, on met la bâche. J'essaie de rouler un petit peu RP quand même. Au moins le minimum. Donc les phares, il fait un peu nuit, mais plus autant. On remet un peu la bâche pour pas que les graines s'envolent. Voilà quoi, ce qu'il faut quoi. Bon là je suis peut-être pas encore en exceptionnel parce que voilà c'est une benne. Hein. Dans un angle grand être, et encore. Allez, on va aller vendre ça, on va voir quand ça nous rapporte. Ah oui, j'ai changé la couleur du camion aussi, je l'ai mis en noir. Et je l'ai mis un crochet aussi à l'arrière, vous voyez. Comme ça au moins il fait un peu de tout. Bon, il faut voir si j'ai mis le camion en porte ou en grain. Hop. Voilà. Alors, ça va nous rapporter pas mal d'argent parce que ça coûte assez cher le soja. Là, il a mis 2500 euros. Les 1000 litres, hein. Et déjà je suis à 100 000, 150 euros, 150 000 euros. Donc on peut acheter la moissonneuse avec l'empreinte de l'argent. J'ai 430 000. Hop. Là j'ai pile assez pour ça. Voilà. Et ça. Ça on peut le revendre. Ça on peut le revendre. Et ça on peut la revendre aussi. Acheter la barre de coupe qui va avec. Hein. C'est celle-là.
Tac, et est-ce qu'on peut acheter? Non, pas encore. Celle-là se plie pas. Hein. Sinon, j'achète une. Oh, 9 mètres déjà, c'est pas mal. On va se l'acheter en jaune comme ça. Voilà, on a déjà de quoi travailler. Je pense que je vais remettre du soja dans le champ. Hein. Comme ça, le soja me fera rapportera de l'argent pour rembourser un peu le prêt. On va juste le remplir un petit peu. Hop, on le remplit un petit peu. Hein. Après ça, on peut le remplir à fond. Le reste, c'est bon, ça suffira. Hop. Alors, est-ce qu'on le remplit en soja? Du soja, ça rapporte vraiment beaucoup. Hein. On va commencer de là-haut. Et j'ai aussi les pépites d'or à trouver. Hein. Autant mieux, on fera ça pour l'instant. Voilà, déjà ça fait une jolie moissonneuse. Et peut-être qu'avec les 1 million, on achètera le champ plus une lanceuse. Hop. Non, pas la radio. La radio interdit. Ça c'est un peu con, ils mettent la radio mais. Enfin bref. Hop. Attends. Voilà, là normalement on devrait prendre un porte-engin pour ça. On part avec hein. On ira chercher les pépites d'or, il en reste une 80 à peu près. Un peu moins de 80 je pense. Donc on va faire ça avant qu'il fasse trop nuit. Parce que là je prends toute la route quand même. Enfin toute ma voie, enfin si je prends ma voie à moi ça fait ça. Et ça dépasse largement. Hop là. Je crois que j'avais mis un clignotant, mais non. Et il est monté en temps. Allez. Bon, là, vu qu'il n'y a personne qui passe, on peut rouler mieux. Ça, que dommage. Des fois, il y a des petits chemins. J'aimerais bien avoir des petites voitures. Il n'y a personne. Là, vous voyez, pour rouler à fond, il n'y a personne. Dommage. Espérons que dans le 19 il y aura
des voitures un peu plus intelligentes. Ça c'est pas gagné, mais bon, on espère quoi. Ouais, après je vais me faire des pépites d'or. Hein. Bon, déjà là j'ai la moissonneuse, j'ai un camion, j'ai un bon tracteur, j'ai une bonne un bon semoir. Pour l'instant je suis bien équipé. Hein. En même temps je peux faire du maïs aussi. Du maïs de tournesol. Je sais pas si ça rapporte bien le tournesol là. Si ouais ça va, 2000 euros. 2000 euros. Ouais. Je commence à avoir du bon matériel. Hein. Allez, on va mettre ça à l'abri pour l'instant. J'ai ça aussi comme matériel. Je m'en sers pas trop maintenant parce que je fais pas de blé. Mais quand je ferai du blé, je m'en servirai. Parce que c'est pratique. Mettre ça là-bas au fond. Ah, c'est un doli en plus ce plateau. Mais bon, se pratique que reculer avec une moissonneuse quand même, c'est assez simple. Et ça, on va le mettre là-dedans, vu que je mets rien là. Pas pour l'instant, je mets rien pour l'instant. Voilà, il y a une belle moissonneuse. Les 10,90. Alors, un camion. J'ai des pépites d'or ici, donc je vais rester là, les trouver. Ça doit être pas trop compliqué, je pense. Et là, il y en a un par là. Voilà, tac. Il me reste 70. Donc ça devrait le faire assez vite, hein. Ouais, magasin là, c'est quoi ça? Ah, c'est là où on achète les animaux. Intérieur ou. J'espère que c'est pas sur le toit. Hein. Voilà. Elle est là, mais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ensuite, on va aller chercher les autres, ils sont juste à côté. Hein. Oh, il y en a un. On va aller chercher au BGA. Alors, tac, on va passer par là. Chercher ça qui est au fond. La place, c'est. Sont assez petites les pépites, donc c'est assez chiant pour les trouver, mais bon, vu qu'il y a chez le plan, il y en a une là-haut encore. Il y en a une qui doit traîner derrière là.
Voilà, là c'est fait. On va prendre la carte. Hop, au magasin. Magasin, il y en a deux. Oh non, il y en a plus que deux, mais il y en a trois. Il y en a là. Là, c'est assez chiant. Ouais, mais. Attends, on va aider. En fait. On va essayer d'essayer. Je sais pas si c'est physique une pupitre de. Comment tu récupères ça là gros? Ouais mais bon mais celle-là là ah c'était assez chiant ça là alors à l'atelier il n'y en a pas une qui traîne ici il y en a une là une autre ici. Allez voir dans l'autre atelier. Là. Allez voir. Alors, je sais pas où elle est celle-là. Est-ce qu'elle est dehors? Doit être et t'en as une qui se doit être sur le toit hein. Si elle est sur le toit c'est chiant ça à la place et vu qu'on voit rien elle doit être sur le toit on va aller voir au fond du magasin mais en haut peut-être. En haut non. Elle est pas sur toi, elle est là. Ok. Alors on va aller voir les petits moutons. Alors je sais qu'il y en a une. Je vais vérifier tout. Hein. Putain, ça on le voit mal en plus. On les voit mal. Chance de monter sur le toit. Là, je suis bloqué des fois, c'est chiant des fois. Est-ce qu'il y a un étage là-dessus? Il y a un étage, mais. Mais on y monte comment là-haut?
que si ça là-haut, c'est assez chiant. Je pense qu'il faudra louer une machine. Et louer une télescopique, c'est cher. C'est 7000 euros. C'est vraiment très très cher. C'est un peu trop cher, je trouve, mais bon. Ouais. Bon, je finirai ça peut-être plus tard, les pépites d'or ou hors caméra. J'ai fait pas mal de. J'ai fait une bonne moitié du champ. Ouais, donc avec l'argent là, peut-être on aura acheté un extracteur. Ou peut-être rembourser le prêt. Mais bon, pour ça, il y a des missions donc. Tant mieux, je ferai avec le méchant qui m'intéresse, hein, le champ 49 là. Champ 49, et voilà, c'est 31 000 euros. C'est à peu près 1 heure de mission. Ah, c'est. Ouh. C'est même plus cher, mais bon. C'est même plus de temps. Oh, t'as mort, parce que là, il faudra que je baisse un peu le prix. Là, il est. Ça, c'est pas si cher que ça. Il est pas si cher que ça. Là, il est, moi. Ouais. Là, il est. Ça vaut le coup parce qu'il est pas très très loin en temps et il coûte quand même 26 000 euros. C'est pas dégueulasse non plus quoi. Tant bien je le ferai quoi. Plus avec un T8 ça sera plus rapide. Hop là. Bon je ramène ça. Je ramène ça au. À la ferme. Et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. Hein. C'est des petites vidéos. Ouais, c'est une petite vidéo. Ouais, 23 minutes. Attends que j'amène ça à la ferme et tout. Pas si pas il on nous indique pas quand les phares sont éclairés, ça c'est un peu dommage. Pourtant c'est pas un mode hein, c'est juste le camion d'origine. Avec un indicateur, même plus le clignotant quoi. Heureusement qu'on entend clignoter sinon. Pourquoi il bloque à chaque fois ce con? Là il est vraiment bloqué là. Là, il est vraiment con cet ouvrier. Et après, on va le faire partir comme ça là. Attention, c'est là.
Voilà. Allez, hop. On ramène ça à la ferme. Oh, il y a les os aussi à récupérer, au fait. Et vite aller chercher les œufs. Tant mieux, je fais cette un petit champ là, donc tant mieux, je vais essayer de travailler dessus quoi. Il y a ce champ là aussi. Le 30 là. Donc, les betteraves, ça rapporte assez beaucoup. Enfin, assez beaucoup, ça va venir. Ça rapporte. Alors ça, on va essayer de le mettre là-bas au fond. Est-ce que ça se braque là? Non. Pas trop mal. Ouais, j'étais pas trop mal là. Je vais aller à l'intérieur en plus. Mais bon. Ça dégraisse tout quand même. Peut-être là c'est éclairé hein. Ouais. C'est un peu sombre quand même. L'éclairage, j'aurais pu mettre un peu plus fort. Ouais. Bon. Allez. Allez prendre une petite toupière tranquillement. Bon les amis, moi sur ce, je vais vous laisser là. Et je dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.